à toutes et à tous, c'est Sissa et aujourd'hui on se retrouve sur Assassin's Creed 3 en punaise dans le multi. Ça commence mal. Ah vite! Ah punaise, oh non! Ah, pas mal, pas mal. Bon, ça commence très fort parce que ça vient juste de commencer la partie. Il m'a tué pour 1600 points, je suis dégoûtée. Je suis trop dégoûtée. Donc j'espère que cette partie va très très bien se passer. Hop! Tu! Oh non! Genre pourtant je l'ai loqué. Par contre... Oh là 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 là. Ça commence bien. Lui il est lancé hein. Et j'ai même pas fait un seul kill pour le moment. Alors je vais essayer de pas retomber sur lui hein, parce que... Apparemment, je me fais un peu harceler. J'aimerais savoir où sont les autres. Ah, c'était pas le bon. Citoyen tué. C'était pas le bon. Attendez, il est prêt là. Allez, meurs dans d'atroces souffrances. Regardez-moi ça. Ah, petit poison. Alors, combien? Je tue pour combien? Enchaînement. Allez. 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 Wouh, you, you, you. Ça commence, allez. C'est bon. Ils sont où les gens, là? Il y a des gens là-bas. Hop, je suis allée un peu à la bourrin, mais bon. Où est-il? Je vais m'éloigner. Alors, où est-il? Ah! Oh oui! Oh non! Pas mal. Mais par contre, lui, il est un peu énervant. Il arrête pas de me poursuivre à chaque fois. Je suis une cible facile. Je suis deuxième avec très, 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 très peu de points. Mais on va essayer de se rattraper. Je vais pas faire une vidéo trop longue non plus. J'ai envie de tuer celui-là à chaque fois. Il arrive à m'avoir. J'ai envie de le tuer. Tout le monde est réapparu. On va essayer d'aller un peu tranquillou. Je sais pas où ils sont. C'est pas le bon. Citoyen tué. Il est extrêmement dur ce mode. Il est là-bas, il est là-bas, il est là-bas. Ah! Oui! Allez, tiens! J'ai réussi à l'avoir, je suis contente. Par contre, ce sera difficile de rattraper les 5850 points que le premier joueur a pu engranger pendant cette partie. Alors, c'est un mode assez difficile. Je m'en sors plutôt bien. Mais c'est un mode qui demande beaucoup de concentration. Oh mince. J'espère que je me suis pas fait repérer. Hop! Bon, ça l'a évité de m'attaquer. Même si c'était pas super discret. Il est là-haut, il est là-haut. Allez, viens là. Viens là. Oh non! Oh non! Oh, c'est dégueulasse! Oh là 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 là! On va y arriver, on va y arriver. Là, c'est la première partie que je fais depuis un petit moment. Donc, je me suis entraînée un petit peu avant quand même pour pas être trop déboussolée. Mais on va essayer d'atteindre au moins le podium des trois. Hein.
Allez, allez. On va essayer de l'atteindre en discret. Eh non, 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 je l'ai là, il est loqué. Qu'est-ce que tu me racontes? Ah oui! Ah! Vite! Non! Oui! Oh non! Ah! Non! Oh là là, j'ai dû démonter les touches de ma manette. C'est un peu n'importe quoi, je perds un peu mes moyens quand il y a vraiment trop de monde, il y avait vraiment trop de joueurs au même endroit. J'aimerais bien réutiliser le poison, j'aime bien parce que c'est un bonus qui vous permet d'avoir facilement beaucoup de points. Mais faut être discret quoi, faut pas se faire repérer par sa cible. Ah mince, il y a un piratage. C'est pas bon ça. Il y a un piratage de l'animus et ça... Massacre. C'est lui ? Oh oui ! Oh là là, le coup de bol ! Alors le but de... Oui, je sais pas si je vous l'ai dit, mais le but de ce mode-là, c'est que vous avez pas de boussole. Vous devez vous repérer au petit trait blanc que vous avez en bas. Et le problème, c'est que bah, c'est un peu plus difficile pour pouvoir repérer ses cibles. Et vous devez les repérer en fonction des, bah, de leur comportement. Alors lui, par exemple, il est un peu suspect. Je sais pas si c'est le bon... Peut-être pas, non. C'était l'autre. Ah, punaise. J'espère que je me suis pas fait repérer. On va rester caché. Il est pas loin, il est pas loin. Hein. On va essayer d'en trouver un autre. Où es-tu? Ça ralentit un peu. Ah, là-bas, là-bas, là-bas. Oh non, non, je vais me faire pirater par la Mimus. Oui, viens vers moi, viens vers moi, viens vers moi. S'il te plaît, viens vers moi. Oh zut. Allez, allez. Oui. Hop, c'est bon. Nickel, j'en ai eu un. Oh non, non, il y en a un qui va vraiment hacker l'animus. Ça, j'aime pas ça parce que c'est vraiment un bonus qui est vraiment détestable. C'est que vous arrivez à faire énormément de points avec ce bonus là, c'est à dire que vous pouvez éliminer vos cibles à distance. Et c'est un peu un bonus qui est plus que cheaté. Ah non zut, ah pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Bon par contre on est très très peu dans la partie, il y en a un qui a fait 6300 points. Bon, j'avoue, là, c'est pas terrible ce que je fais, parce qu'il y a eu une fois où j'ai réussi à faire 6000 points, et même plus, j'ai réussi à faire 7000 points. Donc ça dépend avec qui vous tombez. Des fois, c'est assez facile de repérer vos cibles. Ça dépend si les personnes sont habituées ou pas. J'espère que c'est le bon. Oh non, 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 non. Citoyen tué. Votre cible, oui, j'aimerais bien la voir. Allez, allez, oui, oh, acrobatique. Oh, c'est beau, ça. Hop. Oh, oui. Oh, oui. Allez, allez, monsieur, allez. Allez, t'es dans la cour des grands, là. Qu'est-ce que tu peux? Ah non, là, c'était pas mal. J'ai bien enchaîné, je suis contente. Je suis fière de moi. Il est pas loin, il est pas loin, il est pas loin, hein. Ah, j'aime pas le piratage d'Animus, c'est ignoble. Peut-être qu'il est en haut. 30 secondes. On va essayer de survivre. Ah non, 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 attendez, attendez. Il y a trop de monde, il y a trop de grabuges. Oh non! Oh, c'est dégueulasse, voilà.
piratage de l'animus, bah, c'est tombé sur moi et m'a assassiné pour 1350 points. Moi, je trouve que c'est un bonus qui est un peu cheaté parce que y a certains, pendant toute une partie, je me suis fait pirater. Et donc, à chaque fois, on m'a assassiné à distance. Et le problème, c'est que ce bonus-là vous confère un nombre important de points. Donc, je suis sur le podium. Je suis contente. J'ai pas fait une si mauvaise partie parce qu'il y a des fois où j'ai vraiment un peu de mal à tuer des personnes. J'ai pas eu le temps de regarder mon score, merci. On voit qu'il sait maîtriser un peu. Ah, est mort le moins souvent. Ah ouais, c'est cool ça. Je vais peut-être regarder les scores. Avant de voter. Je veux savoir le nombre de morts que j'ai pu faire. Alors, moins 2, je sais pas ce que c'est, le petit moins 2, rouge. Score, voilà, je voulais voir ça. Je suis mort combien de fois ? 8 fois. Ah, je suis mort moins de fois comparé aux autres personnes. D'accord, super. Alors, par contre, oui, je voulais terminer là-dessus. Piratage de la nuit, c'est un truc que je crois que c'est au bout d'un certain nombre de fois où vous êtes mort. Non, c'est peut-être pas ça. C'est plus après un certain nombre d'assassinats où vous pouvez faire ça à distance. Le souci, c'est que vous avez vu, vous arrivez à vous faire 1350 points en un seul assassinat. C'est un peu abusé, c'est un peu comme la vision des Templiers. Vous pouvez arriver à tuer tout le monde avec la vision des Templiers. Ça, c'est un peu les bonus qui vous restent en travers de la gorge. Mais bon, c'est un peu ça le principe du jeu. Par contre, lui, il est prestige. Il est prestige, donc il a pu tout améliorer, tout débloquer. Moi, je suis niveau 46. J'ai énormément joué, donc c'est pour ça que j'ai énormément augmenté mon niveau. C'est vraiment un mode de jeu que j'apprécie particulièrement parce que c'est plus lié à votre... Ça vous demande un peu plus de concentration que les autres modes de jeu où vous avez la boussole qui vous indique vraiment la position de votre ennemi. Tandis que là, c'est vraiment à vous de vous fier à votre instinct, à essayer de repérer votre cible potentielle parmi les citoyens. Et c'est vraiment un mode qui fait appel à votre bon sens. Et là, il y a énormément de prestige. J'ai un peu peur que ça soit une très mauvaise partie parce que le problème, c'est que c'est pas tellement équilibré quand vous tombez avec des prestiges. On va voir ça. Sinon, on changera de partie. Mais je trouvais que c'était pas mal. Bah alors, là, vous voyez, par exemple, je parlais de déséquilibre entre les joueurs. Par exemple, là, vous avez un qui est niveau 1. Et je pense que lui, il va pas mal galérer quand même pendant cette partie, surtout qu'il a en face des gros niveaux. Donc moi, je suis un gros niveau, oui, mais pas vraiment comparé aux autres personnages qui ont une petite étoile, c'est les prestiges. Et donc celui qui est niveau 1 ou niveau 18, et ben ceux qui ont ce niveau assez faible, et ben ils vont un peu galérer pendant cette partie. Et là, je peux remarquer qu'on est énormément de joueurs pendant cette partie, donc je pense que ça va être très très serré, ça va être bien compliqué pour pouvoir tuer des personnes. Alors on va essayer d'être le plus discret possible. Le but, c'est de marcher. Alors par exemple, là, vous voyez, j'ai repéré ma cible. On va essayer de la voir en discret. Contrat perdu. Allez, viens là! Allez, vas-y, vas-y, cours! Bon, je l'ai pas fait en discret, mais j'en ai tué un. Le problème, c'est que j'ai mis beaucoup... Ah, 100 points, ouais, c'était pas terrible, j'avoue. J'ai un peu utilisé toutes mes capacités pour rien. En plus, le temps que ça remonte, parce que vous avez un temps d'attente pour pouvoir réutiliser vos capacités, c'est pas quelque chose... Je sens bien là-bas, là. Oh, punaise, je l'ai perdu. Je sais pas si c'est celui-là. On va marcher. Alors, vous avez un carré qui se remplit en haut avec un petit trait. Donc, ça s'appelle la concentration. Et... Oh oui ! J'en ai vu un, là. On va
va essayer d'en avoir un ou deux. Allez, 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 allez. Non, 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 non. Oh mince, je vais me faire humilier. Oh, il y a du monde, il y a du monde. Oh, punaise. Là, j'avais plus mes bons fumigènes, je risquais pas d'aller bien loin. Oula, je suis dernier de la partie, faut que je remonte là. J'aime bien quand même avoir mes bombes fumigènes, ça me confère un peu une certaine sécurité. On va aller en marchant, parce que ça sert à rien de courir. Vous avez bien vu que c'est pas en courant qu'on va arriver à tuer quelqu'un. C'est lui, je le sens. Et donc oui, vous avez la concentration. Alors c'est au-dessus, donc vous avez la touche carrée. Et vous avez un petit trait qui remplit votre touche carrée. À un moment, quand cette barre se remplit, vous arrivez à faire ce qu'on appelle un niveau de concentration. Et plus vous arrivez à un niveau de concentration élevé, plus vous avez la possibilité de récupérer pas mal de points. Ah, punaise, non, j'avais pourtant mes couteaux de lancer, j'ai pas pu les lancer. Et là, j'ai plus mes bombes fumigènes. Voilà, j'ai pas pu faire grand-chose. Alors, il y a un qui a fait 14 000 points. Oh la vache. Ah, c'est ça les prestiges, hein. Vous avez des bonus qui vous permettent d'augmenter votre nombre de points. Oh non, non, non. Eh oh. Oh non! Oh, ça c'est dégueulasse. Oh, là, c'est un peu le problème. C'est quand vous êtes à terre, vous avez aucun moyen. Lui, il fait quoi? Oh, il fait énormément de points lui aussi. Vous avez aucun moyen de vous défendre. Si vous avez utilisé toutes vos capacités, vous avez très peu de moyens pour pouvoir vous défendre. Donc c'est un peu ça le problème. Dès le moment où vous avez utilisé vos bombes fumigènes. Ah non, non, non! Ouais. Il reste 30 secondes. Allez, balance! Oh non, ça c'est énervant. Et donc c'est comme ça, je pense qu'ils arrivent à faire énormément de points. C'est aussi en... Ouais, là il a fait 850 points parce qu'il a fait un assassinat acrobatique. Ouh là 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 là, j'ai fait une très mauvaise partie, j'ai fait que 1000 points. Je suis tombée sur des prestiges aussi, c'était un peu difficile. Vous voyez, ça dépend vraiment des personnes avec qui vous tombez dans les parties. Vous terminez 7e. Ouh, aïe 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 aïe. Allez, c'est pas grave. On va relancer une autre partie. On va tomber sur d'autres joueurs parce que là, il y a vraiment beaucoup trop de prestiges. Et le souci, bah, c'est qu'ils ont pu améliorer l'ensemble de leurs capacités au maximum. Alors vous avez, donc, quand je parle d'amélioration de capacité, c'est au niveau du temps de recharge, aussi de la portée de votre capacité. Par exemple, vous avez 25, punaise, mais il a rushé. Vous avez donc la portée, c'est-à-dire par exemple quand vous balancez une bombe fumigène, quand vous commencez, ça ne marche que sur une certaine surface autour de vous. Et quand vous arrivez à améliorer cette capacité, vous augmentez la portée de cette capacité. Donc c'est pas un avantage négligeable quand vous êtes dans ce genre de partie, parce que vous voyez l'importance des bombes fumigènes. C'est vraiment le seul moyen pour vous de vous défendre face aux ennemis. Donc, parce que... Vous... Oh mince, je retombe sur les mêmes, j'ai l'impression. Bon, il y a un peu moins de prestige que tout à l'heure. J'espère que j'atterris pas en cours de partie, parce que je suis pas trop pour. Donc, ouais, c'est un peu ça le problème, c'est que ils auraient pu... Quand vous avez utilisé toutes vos capacités, bah vous avez plus aucun moyen de vous défendre. Vous appuyez sur la touche carrée, mais vous êtes foutu. Hein. Si vous avez plus de couteau de lancer, plus de bombes fumigènes, vous êtes totalement fichu. C'est un peu ça le problème dans Assassin's Creed, c'est qu'ils auraient dû mettre un principe qui permet vraiment pour ceux qui ont vraiment plus de bonus, d'au moins d'avoir une chance de s'en sortir à peu près indemne ou en cassant vraiment le nombre de points qu'ils peuvent se faire. Alors lui, il était pas du tout discret, celui-là. Ah, par contre, il repart dans le bâtiment.
Ils sont vraiment pas discrets tous les deux. Hop, on va attendre. Il est mort. Il y en a un pas loin. 400 points seulement. Bon. Allez, cours! Hop, oh, punaise, j'ai pas pu m'en aller. Poursuivant démasqué. Ah, zut. J'avoue que j'étais un peu suspecte. Mais bon. Alors, on va essayer de remonter dans la partie. Est-ce que c'est lui? C'était un citoyen. Ah zut, c'était celui-là. J'aurais dû faire gaffe. Vous voyez que c'est un peu difficile de déterminer qui est un assassin ou pas, qui peut être suspect ou pas. Et j'avoue, c'est extrêmement difficile. Alors, attendez. Bon, on va remarcher. De toute façon, le seul moyen de ne pas se faire repérer, c'est en marchant. Bon, bah par contre, lui, voilà, il est super suspect. On va essayer de s'en approcher, mais doucement, ce serait cool qu'il vienne vers moi, par contre. Oh, punaise, sérieux! Oh là là. Ah, c'est un peu énervant. Bon, bah là, j'ai aucun moyen de me défendre, vous voyez très bien. Voilà. Plus de bombes fumigènes, plus de couteaux de lancer et vous êtes cuit. 600 points quand même. Et pourtant, là, il n'était pas super discret. Ouais. Allez, c'est parti. On se remotive, on arrive à mieux s'en sortir. Oh mince, non, je suis pas... Non, là, j'étais pas du tout discret. On va se casser, hop. Il y en a un pas loin. Hop, tombe, s'il te plaît. Assassinat contesté. Hop, voilà, merci. Encore les bombes, les couteaux de lancer, ça vous aide pas énormément, juste pour ralentir votre cible, si elle va un peu trop vite pour vous. Mais bon, le problème, c'est que c'est pas super... Je crois qu'ils sont en haut. C'est lui, hein, je crois. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, j'ai balancé une bombe fumigène au cas où. Hop, tranquillou. Bon, bah là par contre, je pouvais pas faire grand-chose. J'avoue que j'en ai tué deux d'affilée. Je remonte un tout petit peu, mais c'est pas ça encore. Hein. On peut faire mieux en termes de score. J'ai l'impression qu'on était un peu plus dans la partie. Je crois qu'il y en a certains qui sont partis en... Punaise. On va prendre celui-là parce qu'on est sûr qu'il va pas... Oh punaise! Oh là là! Et pourtant j'appuie sur carré, c'est ça qui est un peu abusé. Oh là là. Ah, c'est affolant. Alors, peut-être qu'il est prestige, peut-être qu'il a un bonus qui lui permet d'être un peu immunisé contre les humiliations ou les bombes fumigènes. Des fois, vous pouvez avoir ce genre de bonus. Hein. On va essayer d'en avoir un des deux. On va pas courir. Qui est suspect. Ah ! Oh oui ! Oh oui ! Oh, j'ai eu vraiment un coup de bol. Attendez, on se refait un peu une petite santé. On attend. Il y en a un pas loin. Peut-être qu'il va venir vers nous.
Mais je le sens bien là. Votre cible vous a démasqué. Non! Ah, ça c'est ignoble, c'est ignoble. Ah, pourtant j'étais encore à terre. Vous me direz, j'ai fait un peu la même chose avant. Allez, allez, on repart. Comme quoi, c'est pas si simple que ça. Il y a des fois où j'ai fait une partie excellente, c'est-à-dire où j'étais arrivée à 7000 points. Et des fois où vous arrivez juste qu'à faire 3000 points, et donc c'est pas. Bon, c'est pas excellent, mais. J'hésite. Non, c'est pas lui. Hein. Toujours lui. Hein. Est-ce qu'il va venir vers moi ? Hop ! Allez, balance ! Je sais pas s'il me poursuit. On va s'éloigner. J'avais pas. Je sais. Ah non, pourtant il a considéré que c'était une cible. Alors que c'était pas le cas. On va essayer d'en trouver un autre. Il est pas loin. Hein. Et on va se laisser là-dessus. Ah oui, déjà, ça passe vite. Hein. Quand on s'amuse. Il reste 30 secondes. Où est-il ? Il y en a un pas loin. Citoyen tué. Ouf. Déterminé troisième. Ok, bah c'est sur cette place sur le podium que je vais vous laisser là-dessus. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, des j'aime et à me dire aussi si vous voulez d'autres vidéos sur ce jeu. En tout cas, moi je m'amuse bien. Et eh bien, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Allez, salut.